femme, elle te donne ça. Ah bon, pourquoi faire? Pour, parce que, voilà. Il faut que tu lui rendes. Il faut que... Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte, cette grande semaine, pour commencer avec toute l'Église, à travers le monde entier, la célébration du mystère de Pâques. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix, pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Nous allons demander au Seigneur de bénir les rameaux que nous portons à la main, ces rameaux qui vont prendre place dans nos maisons, dans des endroits qui sont importants pour nous. Ces rameaux nous rappelleront notre foi chrétienne. Elles nous rappelleront, puisque les rameaux sont toujours verts, elles nous rappelleront cette jeunesse du Seigneur qui est à nos côtés. Ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir les rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits pour te rendre gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
Soyons attentifs à l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie deux de ses disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, il le renverra bientôt. » Ils partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue. Et ils le détachent. Des gens qui se trouvaient là leur demandent « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit et on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau et Jésus s'assoit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent sur le chemin leur manteau, d'autres des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni le règne qui vient, celui de notre père David, Hosanna au plus haut des cieux. » Quand Jésus rentre à Jérusalem, monté sur un Thank you.
Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Car il se disait, pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et il la rudoyait. Laissez-la. Pourquoi la tourmenter ? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours, pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, de l'année 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : Allez à la ville. Un homme portant une couche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient : Serait-ce moi ? Serait-ce moi ? Serait-ce moi ? C'est l'un des 12. Celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : Prenez. Ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen.
pour le monde des élus. Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, lui dit alors, même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Mais lui, reprenez de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient le temps. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette heure. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Revient et trouve les disciples endormis. Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples. Endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit, désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui les livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous votre garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus leur déclara, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Thank you.
les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus. Et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de maison, et en 3 jours, jamais tu ne verras. Il sera fait maintenant. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence. Il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit : Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant : Fais le prophète ! Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit : Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas. Puis, il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors, un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là : Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à son tour : Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : Non! Je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite : Avant que ton coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Il fondit en larmes. Je ne sais pas La foule monta donc chez Pilate.
le roi des Juifs. Se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres avaient tué. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, que voulez-vous que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs?
Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil. Il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus dans la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. L'annonce du programme CETI, vous savez, ce programme international lancé en 1999 qui veut rechercher des intelligences extraterrestres en dirigeant vers le ciel de grandes antennes des radiotélescopes. Nous ne sommes pas seuls. Cela ne signifie pas qu'il y a d'autres vies extraterrestres, mais nous ne sommes pas seuls, c'est ce que nous dit ce texte que nous avons entendu à l'instant. Un texte que les chrétiens relisent chaque année depuis plus de 2000 ans. Un texte poignant parce qu'il raconte la mort d'un homme. La mort nous touche toujours à travers des personnes que nous aimons, de nos familles, de nos amis. Lorsque quelqu'un meurt, nous sommes touchés. Touchés par la tristesse de la séparation, bien sûr. Touchés aussi parce que, d'une certaine manière, cela nous renvoie à notre propre mort, aux uns et aux autres, qui viendra un jour. Ce texte que nous venons d'entendre nous parle de la mort d'un innocent. Oh, certes, Jésus n'est pas le premier innocent qui est tué. Et aujourd'hui encore, dans de nombreux pays à travers le monde, des innocents paient de leur vie des crimes dont ils ne sont pas coupables. Jésus n'est pas mort dans son lit. Il n'est pas mort sur un lit d'hôpital. Il est mort parce qu'on l'a tué. Ce texte
nous touche, parce que bien sûr, cette mort, c'est la mort de Jésus lui-même. Et tous ici, puisque nous nous sommes déplacés ce matin, c'est que nous sommes attachés à Jésus d'une certaine manière. Quel que soit le degré de notre foi, quelle que soit notre croyance, plus ou moins forte, plus ou moins dynamique, si nous nous sommes déplacés ce matin, c'est bien parce que nous sommes attachés à ce Jésus qui est mort. Oui, cette mort nous touche, mais elle doit nous toucher parce que, au-delà de tout ce que je viens de dire, Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour moi, pour toi. Et c'est cela qui doit nous toucher le plus. Oui, parce que bien sûr, nous avons entendu comment Jésus a été trahi, comment il a été abandonné, comment il a été moqué, condamné. Et chacun de nous, nous pouvons nous reconnaître dans ce récit. Ce récit n'est pas juste un récit vieux d'il y a 2000 ans. Ce récit raconte ce qui se passe dans notre cœur tous les jours, parce que nous aussi, nous condamnons par nos jugements parfois hâtifs. Nous aussi, nous trahissons. Nous aussi, nous sommes animés par la peur qui nous fait faire des choses que l'on n'aurait pas voulu. Nous aussi, nous pouvons être violents, au moins dans nos paroles. Bien sûr, nous n'avons jamais condamné à mort quelqu'un. Peut-être avons-nous souhaité la mort de quelqu'un. Mais en tout cas, nous ne sommes jamais allés jusqu'au bout. Pourtant, chaque fois que dans notre cœur, il y a eu de la violence, de la colère, parfois à cause de la peur, chaque fois, nous avons reproduit ce que ce texte nous a dit. Mais ne soyons pas accablés, parce que justement, ce texte nous redit que nous ne sommes pas seuls dans notre cœur. Le Seigneur est présent. Parce que oui, peut-être que nous le trahissons. Oui, peut-être que nous lui faisons violence. Oui, peut-être que nous l'abandonnons de temps en temps. Mais lui, il continue de donner sa vie pour nous, pour moi, pour toi. Tous les jours, chaque instant, le Seigneur est là dans notre cœur et il nous attend. Quelquefois, nous le crucifions, mais il ne nous en veut pas, puisqu'il est allé jusqu'à accepter de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Voilà ce que ce texte nous dit et qui est extraordinaire. C'est que quelles que soient nos peurs, nos violences, nos trahisons, nos faiblesses, quel que soit tout ce qui est lourd à porter pour les uns ou pour les autres, le Seigneur est là, dans notre cœur, et nous ne sommes pas seuls. Alors ce que ce texte nous invite à faire, c'est à nous poser cette question. Au-delà de nos trahisons, au-delà de nos violences, de nos colères, de nos impatiences, au-delà de toutes nos faiblesses, est-ce que nous allons laisser un peu de place dans notre cœur pour que Dieu puisse y vivre? Est-ce que nous allons l'étouffer? Ou au contraire, est-ce que nous allons lui laisser cette place qu'il attend pour ressusciter? Parce que oui, frères et sœurs, certes dans notre cœur il peut y avoir cette violence, mais le Seigneur y est présent.
et il nous invite à la résurrection. Alors oui, ce texte ne redit pas simplement un événement vieux d'il y a 2000 ans, il nous redit pour aujourd'hui cet enjeu extraordinaire. Allons-nous laisser un peu de place dans notre cœur pour que le Seigneur puisse y ressusciter. Et y ressuscitant, qu'il puisse nous irriguer de sa vie. Et ainsi, nous pourrons vivre, malgré ce que nous sommes, nous pourrons vivre avec lui, car nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec chacun d'entre nous.